Yesterday, conflict erupted when Dalai Lama followers became angry with those protesting against the ban. This was one incident, but for those Tibetans who refuse to abandon their religious practice, it is part of their everyday life. Whether they live in India or the West, they're exposed to segregation and abuse. Fragt die Leute, wo die Geschäftsleute, verehrst du Dalai Lama oder bist du von Dalai Lama Seite? Und sie sagen, ich verehre, du schau dir nach und sagen dir. Die Geschäftsleute hat gesagt, wenn du die Schade verehrst, kriegst du nichts. Und sie kann im Laden keine Kleider kaufen und keine. Das ist schon sehr traurig. Sie kriegen nichts zum Essen. Sie müssen auch zu den bekannten Leuten gehen und einfach etwas Essen zu bekommen. Das ist sehr traurig und sie hat mir immer telefoniert und sie wollte nach in der Schweiz kommen, aber das ist nicht einfach. Ich kann nicht sie herabbringen. Und manchmal denke ich, wo diese Sachen leidet, wieso bist du gerade meine Schwester ist, wieso bin ich nicht. Und das ist einfach so. Das ist auch. Ich kann nicht Bündelfleisch oder Schweizer Fleisch nach India schicken, das geht nicht. Welche Geld schicken und sie kann da dort nichts kaufen. Ja, und ich wollte auch die Leute, die nur Dalai Lama Namen hören und die gar nicht wissen, was er macht und was er erzählt. Die sollte auch wissen, was die Probleme ist. Nicht nur oh, Dalai Lama, oh, du bist sehr blöd, wenn du da etwas gegen Dalai Lama ist. J'étais avec lui d'ailleurs, et on est parti à Paris. Il y a une place qui s'appelle Stalingrad où il y a souvent beaucoup de Tibétains, et souvent c'est des gens qui sont aux côtés d'Dalai Lama en fait. Et quand on va là-bas, au lieu de dire par exemple, au lieu de dire bonjour, quoi que ce soit, ils nous regardent méchamment déjà, et on dirait que pour eux on est des animaux en fait. Ils nous considèrent comme des animaux, ils nous voient différemment en fait. Voilà. Même si on est tibétain, en fait, ils nous voient différemment. Enfin, juste parce qu'on pratique une religion qui a été interdite, soi-disant interdite par Dalai Lama. Nous en fait on connaît pas trop les histoires et tout, mais quand on voit ce genre de choses en fait on est obligé de dire quelque chose. Nous on a plus vécu en France qu'en Inde ou au Tibet. Et nous ce qu'on veut c'est. Nous en France on a l'égalité, fraternité, on a tout, les libertés. Et... On comprend pas pourquoi, non, pourquoi une religion est interdite, en fait on comprend pas justement. C'est ça on peut pas, veut, on comprend pas. Ce qu'on veut c'est la liberté, voilà, c'est ça. La liberté. Et par exemple, voilà. Voilà. En effet, ça c'est parfait. Et je tiens à préciser aussi que. Oui, qu'on vient ici de notre plein gré en fait. On n'a pas été obligé et tout. On vient de notre plein gré. Parce que j'ai entendu des histoires comme quoi, que les parents ils forçaient et tout. C'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. On fait ce qu'on veut. On est venu de plein gré. Je voulais ajouter ça. This is Rabton for ISC News in Hamburg.